Mais Berry, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quitté la maison sans toutefois me dire quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Gifle. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es étrange. Fais-le. Tu vas bien? Et maintenant? Berry, tu vas bien? Tout va bien? Tu es stupide ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui est venu dans ta tête? Encore. Encore. Tu essaies de te tuer? Tu es folle? Qu'est-ce qui est venu dans ta tête? Tu es malade? Tu sais quoi? Ne me pousse pas à faire quelque chose que je vais regretter. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Hein? Quitte ma maison avant que je ne te déchire en deux. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Cette nuit, là maintenant. Sors de chez moi. Folle. Une folle femme comme ça.
Ça c'est qui ça encore, non? Attends, c'est pas maintenant que mon patron est sorti? C'est un bandit. J'ai bien dit, c'est un bandit. Ce sont les petits du quartier qui viennent. Je vais les corriger. Voleur comme ça. Oh, un blanc. Hey. Ce n'est pas toi qui utilises les TikTok. Bélé, 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 bélé. Va doucement, s'il te plaît. Patron, l'affaire est ici comme ça. Excuse-moi. Je me sens mieux. Au moins, je n'ai pas de difficulté à respirer. Encore. Merci pour ton inquiétude. De rien. À propos de ça, es-tu aussi un asthmatique? Non. Ma petite sœur, elle était ici récemment. Je l'ai acheté un nouveau et elle a oublié ceci. J'ai pensé t'amener ici pour mieux contrôler ta crise avec ça. Tu as bien fait. C'est gentil de ta part. D'accord. Je peux t'amener quelque chose? Non. Je vais bien. Je me sens mieux maintenant. Merci. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Tu peux me faire une faveur? J'aimerais partir avec ça et l'avoir dans ma voiture. Au cas où ça recommence, je pourrais l'utiliser à mon domicile. C'est bien, tu peux le garder. Et je te promets de le ramener avant le soir. Si c'est ce que tu veux. D'accord. Merci. Il n'y a pas de quoi. Va doucement. Merci. Attends une minute. Ralentis la voiture. Ralentis. C'est pas bon. Ce gars est frivole. Dieu merci, j'ai le numéro de Berry. Tu sais quoi? Retourne la voiture. Ramène-moi à la maison. Je veux montrer à Berry tout de suite là. Je vais te rendre ça. Fais attention et conduis avec prudence. Sûr. Merci.
Qui est-ce? La porte est ouverte. Ah ah, doucement, tu veux casser cette maison? Bébé, tu vas jamais croire à ça. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Bande. De quoi parles-tu? Bande est parti à Abuja. Il a pris le vol de 7h30 pour un rendez-vous d'affaires. Es-tu en train de parler de ce rendez-vous? Qu'est-ce que c'est? C'est la vidéo de ton bien-aimé. En route pour l'aéroport pour mon vol de Lagos. J'ai vu Bond. Le même Bond. Toi qui dis qu'il est à Abuja, n'est-ce pas? Business, d'affaires, rendez-vous, est-ce que sera? Tu blagues, n'est-ce pas? D'accord. Prenons ça comme une blague alors. Mais le chauffeur qui nous a accompagnés est encore en bas. Il est celui qui a fait cette vidéo dans la voiture. Allons lui voir pour plus de confirmation. Si tu me crois pas. Yeah, on y va ma chérie. C'est ce qui s'est passé. Tu veux dire, Bond m'a menti? Laisse-moi me rendre chez Berry pour lui faire savoir que mon voyage a été annulé avant d'aller voir Gold. Je vais là-bas maintenant. Obi? Oui, patron. Ouvre le portail. Patron, je vais. Ouvre le portail. Patron, j'espère que tout va bien. Grâce, cesse de jouer à l'enfantillage et aux victimes émotionnelles. Pas juste à ce niveau. Moques-tu toi de ma peine? Écoute, tu n'es pas là pour insulter mon cœur brisé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux demander à Bond ce que je t'ai montré? Exactement ce que j'ai choisi. Risquer mon vol pour venir te montrer la vidéo. Physiquement, au lieu de t'envoyer ça virtuellement. Waouh, Berry, tu es plus naïve que je pensais. Lucy, cesse de crier comme une villageoise. Écoute-moi. Ma copine, tu dois te réveiller. Arrête ton caractère de bonne fille que tu fais avec Bond. Réveille-toi avant qu'une autre fille ne te l'arrache. Berry, après avoir tout fait pour l'avoir auprès de toi, tu es même incapable de dormir.
Il y a beaucoup de filles libres dehors qui sont prêtes à tout faire, à bagarrer pour avoir un homme beau, riche, costaud comme Bond. Bats-toi pour ton homme. D'accord, d'accord, si tu insistes. D'accord, d'accord, je suis avec toi tout le temps. Tu es sûr que tu vas te retrouver sur le chemin de ma maison? D'accord, d'accord, d'accord. Je suis à la maison, on va se voir à tout moment. Je dois appeler Berry. Oh, non, non, non. Laisse-moi aller faire la cuisine. Ou aller chez Lucie et lui faire une surprise. Comme j'avais prévu avant. Je m'impatiente de la voir me retenir avec son bol favori de glace. Patron part et revient. Qu'est-ce qui le poursuit? Hi. Excuse, patron. J'ai dit... C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Obi, est-ce que c'est si difficile pour toi d'ouvrir le portail et de le fermer sans ouvrir ta bouche? Oui, patron. Tout ça, c'est un problème spirituel. Si c'est mon patron, ils mourront aussi. Je sais. Tu es une fille décente. Le genre de fille, donc. J'aimerais que ma fiancée va avec. Jésus-Christ. Berry. Oh, bébé, c'est pas ce que tu penses. Alors, c'est la vérité. Bébé, tu dois te calmer. C'est pas ce que tu penses. Comment oses-tu insulter notre amour? Comment oses-tu insulter notre amour? Berry, excusez-moi. Tu dois arrêter. Juste, calme-toi. Comment oses-tu? Comment peux-tu me faire tout ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-moi. Mais c'est quoi ton problème? Hein? Ne me touche pas. Comment oses-tu? Berry, ne touche pas cette fille. Gardien, ouvre le portail. Madame, il y a quoi? Ouvre le portail. Il y a quoi, madame? Je dis-moi. Ouvre le portail. Il y a quoi, madame? Où est-elle? Mais c'est quoi? C'est quoi ton problème? Berry, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as mal à la tête? Bébé. Moi? Bébé. N'essaye pas de me toucher. Bébé, je suis désolée. Bébé, je suis désolée. Les femmes n'iront pas au paradis. Bébé, je suis désolée. Je suis désolée, c'est de ta faute. C'est ma faute? C'est de ta faute, je vais te punir. Bébé, s'il te plaît, mais, s'il te plaît. Ne me pousse pas à faire quelque chose que je vais regretter. Mon amour, tu sais que je t'aime. Mets-la dehors, non? Madame, le patron dit ça, non? Je dis pars. Madame, va. Bébé, s'il te plaît. Peux-tu imaginer le problème?
Maintenant, écoute-moi. Si je la revois ici dans cette concession, tu vas partir avec elle. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, vraiment, c'est la tentation. Allô? Je suis hors de la chambre maintenant. Aladji est endormi. Je ne vais pas l'énerver de peur qu'il se réveille avec cet appel. D'accord, d'accord, d'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à Bond? J'ai compris cette partie avant et je suis complètement d'accord avec ce que tu as fait. Prie pour que je te pardonne pour ça. Prie pour que je te pardonne pour ça. Ne sois pas stupide, viens ouvrir ce portail. Kererenke. Ne sois pas stupide, viens m'ouvrir le portail. La Brimberry, c'est toi? Écoute, pas aujourd'hui, oh, si les gens de ton village et mon village se sont réunis pour me faire les collabos pour ce petit travail que j'ai fait là, va leur dire, tu ne m'as pas vu. Oh. Arrête de raconter du n'importe quoi, viens ouvrir ce portail. Oh, donc je te raconte du n'importe quoi. Tiens, annonce. Ce portail est devenu le portail du paradis. Regarde, le portail du paradis ne peut pas être ouvert pour les gens comme toi. Et aujourd'hui, ce n'est pas le jour de jugement. Tu appelles qui, païenne? Toi, bien sûr. Quelqu'un qui a un cœur dur de prendre les couteaux, les bouteilles, hein, des tchoukou tchoukou tchoukou, des personnes. Comment va l'appeler alors? Tu veux que je t'appelle Marie, Marie la mère de Jésus? Tu n'es pas méchante. Tu es supposé quitter ce portail, aller tenter ta chance au portail de l'enfer. Et aujourd'hui, ce n'est pas ton jour. Ou bien parce que je suis calme. Quelle est cette chienne malade qui aboie mon portail? C'est la Brimberry. Tais-toi! Je m'adresse pas à toi. Je demande quel est cet animal misérable qui aboie mon portail. Comment tu viens juste de m'appeler? Une sale chienne, c'est ce que tu vaux. Tu as la chance que Obi ne t'a pas ouvert le portail. Parce que si je te retrouve dans ma concession, je vais te jeter hors de la barrière. Bébé, je suis désolée. S'il te plaît. Je ne veux rien entendre. Écoute, sors de ma barrière. Je te veux loin, loin, très loin de ce portail. Tu auras des comptes à rendre avec le diable si tu ne m'écoutes pas. Mon amour, c'est pas à cause de moi et toi, mais du bébé. Je veux dire, le tac dur que tu m'as fait, j'ai ressenti un malaise à mon abdomen. S'il te plaît, ouvre le portail, comme ça tu m'emmènes à l'hôpital. Comment oses-tu? Comment? Comment oses-tu utiliser l'enfant qui est en toi pour me convaincre? Merde, quel est ce genre de manque d'émotion comme ça? Bébé, je t'ai pas menti. Qu'est-ce que tu veux dire par là que tu m'as pas menti? Tu me prends pour qui? À rester là à croire à toutes les stupidités que tu me dis? À cause du désespoir ou le sentiment? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a conseillé de faire ça? Bébé, regarde. Regarde comment est-ce que je t'aime, s'il te plaît. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Foutaise. Ceci ressemble au travail de l'amour, hein? Ça ressemble au travail de chien malade. Je suis désolée. Maintenant, écoute. Est-ce que tu as cherché à présenter tes excuses à la fille à qui tu as embarrassé, insulté chez moi aujourd'hui? Non, mais... Non, quoi? Jusqu'à tu vas le faire. Que je ne te revoie plus jamais. Ne fais aucune erreur de revenir encore ici dans cette concession. Tu vas pas aimer comment ça va se terminer. Dégage! Bébé, s'il te plaît. Dégage! S'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. N'importe quoi. Va-t'en! Patron, tu es une bonne personne. Patron, tu es un homme fort.
Il me semble que je suis vraiment responsable de tout ce qui se passe autour de moi maintenant. Ça, c'est pas la personne pour laquelle tomber amoureux. Oh, mon Dieu. L'amour en elle-même est une très très belle chose. Berry, mon amour, je ne peux plus patienter de nous voir dans une nouvelle étape de notre amour. Je ne peux plus patienter de voir la surprise qui sera sur ton visage. Moment de bonheur, de joie, comment est-ce que tu vas être extasé ce jour. Là. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? La réponse de ta question est ici dedans. Bébé, tu es enceinte? Tu es enceinte? Oui, je me sentais faible aujourd'hui, alors je me suis dit de me rendre à l'hôpital. Et le docteur m'a proposé de faire un petit test et c'est sorti positif. Oui. Je suis enceinte? Je serai papa? Quelle bonne nouvelle! Waouh, ma chérie, viens ici, je t'embrasse. Waouh. Mon amour, j'espère que tu n'es plus en colère contre moi. Comment veux-tu que je sois? Je serai un papa. Tu portes mon enfant. Tu portes notre bébé. C'est trop charmant. Qu'on mange, j'ai quelque chose à te dire. Tu es spécial pour moi.
et je t'aime. Je t'aime aussi. Quoi? Laisse-moi aller juste droit au but. Berry, veux-tu m'épouser? Ah. Oui, je vais t'épouser. Oh, oh mon Dieu, tellement content. Quand tu le vois, suis-le et ne t'arrête pas jusqu'à ce que je te dis d'arrêter. D'accord, madame. C'est ça, suis-le, suis-le. Ça ne peut pas aller. Je ne peux pas laisser ça continuer. Maintenant, c'est devenu grave. Hier soir et aujourd'hui, mon gars passait tout son temps à penser à une bordelle comme ça. Et non, moi. Et qui peut accepter ça? Qu'il a laissé sa maison ce matin pour aller courir derrière cette bordelle. Je m'en fous de ce qu'ils sont en train de se dire, mais ça doit s'arrêter. Monsieur Bond, cesse de m'empêcher de passer. S'il te plaît, je suis désolé pour ce qui s'est passé. C'est quoi ça? C'est embarrassant, lève-toi, s'il te plaît. D'accord. Me mettre à genoux en public, c'est embarrassant. Je sais, je suis debout maintenant. Je m'excuse, je veux juste partager un moment avec toi. S'il te plaît. Monsieur Bond, tu ne m'as pas offensé. Et je ne comprends pas pourquoi tu me présentes tes excuses. Je ne t'ai pas offensé directement. Mais, ma fiancée l'a fait. Je sais, tout ça s'est passé dans ma propre maison. C'est pourquoi je suis coupable. Oh, la fille qui m'avait insulté, c'est ta fiancée. Oui, je suspecte que quelqu'un nous a vu la dernière fois qu'on est ensemble et allait lui dire. Et lui a donné une fausse information de ce qui se passait. J'ai besoin que vous me faites un bon travail. Un résultat excellent. D'accord? D'accord. Laisse-moi t'envoyer sa photo. D'accord. Et la vidéo pour que ça soit clair. D'accord. Je l'ai déjà envoyé. D'accord. C'est un blanc. Il n'y a pas de problème. D'accord. Tu peux nous faire confiance. Je vous attends ici, les gars. J'espère que vous avez toutes les informations. Oui, on a toutes les informations. Fais-nous confiance.
Bande, pourquoi il m'appelle avec insistance? Devrais-je décrocher? Non. Je vais pas décrocher. Peu importe ce qu'il veut me dire, il doit attendre. Je dois gérer ce dossier moi-même. Je veux fixer notre relation, c'est très important. Je suis désolée, mon amour. Je vais pas décrocher cet appel. D'ailleurs, je le mets en silencieux. Désolée, je t'aime, mais cet appel doit attendre. S'il vous plaît, ne me tirez pas. Ah! S'il vous plaît. Allez, arrête-toi ici! S'il vous plaît. Toi? Oui, c'est moi. Je suis pas le genre de femme qu'on prend à la légère. Surtout quand il s'agit de mon gars. Tu m'as pris à la légère. Ici, c'est la fin de ton parcours, bordel. Non, madame. Hey! C'est pas ce que tu penses. Tais-toi. Garde tes explications pour tes enceintes, parce que tu es déjà sur le chemin de leur rejoindre. Non. Tais-toi! Prends cette arme! Je vous ai donné l'ordre ici. Mais tu nous as pas dit que tu vas la tuer! Non! C'est quoi la suite? Ramassez son corps, mettez-la à l'arrière de la voiture. Emmenez-la au centre-ville. Je suis vraiment intéressée que la population découvre son corps et les nouvelles de son décès. Et que la nouvelle se reprenne. Jusqu'à quel nouveau? Pourquoi une autre scène encore? Pourquoi? Ta part, c'est d'exécuter l'ordre. Je donne les ordres. Complète ta tâche et viens chercher ton argent. Porte-la bien. Ça, c'est quel genre de marché comme ça là? Je l'ai rencontrée lorsqu'elle faisait son sport dans un état critique, n'arrivant même pas à s'exprimer. La seule chose qu'elle a pu faire, c'est de me faire des signes de la main en demandant le inhalateur. Je me suis rappelé que ma sœur est asthmatique et elle a laissé un inhalateur à la maison. Je me suis dépêché avec elle pour lui administrer une dose de pression. Il y a quoi de mal dans cette action? Pour sauver une vie? Je voudrais venir chez toi après tout ça. Mais elle m'a appelé qu'elle voulait retourner le inhalateur. Je lui ai demandé qu'elle le garde pour elle. Mais elle a insisté qu'elle me le ramenait. J'ai dit ok. En fait, elle rentrait déjà au moment où toi tu arrivais. Bébé. Tu veux dire que la fille que j'ai rencontrée chez toi n'est rien pour toi? Elle est celle qui t'a demandé de l'aide pour me dire que ton voyage d'Abuja est annulé? Oui, bébé. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'avais pas appelé? J'étais en chemin pour te surprendre afin de prendre le petit déjeuner avec toi. Oh Jésus-Christ. Ça va, c'est bon. Entre. Hey.
Est-ce que tout va bien? Assieds-toi. Assieds-toi. Mais tu ne prends pas les appels. Est-ce que tout va bien? J'ai été enlevée. J'ai été enlevée en chemin. Comment ça s'est passé? Tu vas bien? Est-ce que ça va? Ils m'ont volé ma voiture et tout ce qui était dedans. L'âme pointée sur moi. Vraiment, vraiment désolé. J'espère rien ne t'est arrivé de mal. Ce genre d'incident finit toujours très mal. Certaines personnes vont jusqu'à perdre leur vie. Je crois que tu vas bien. Merci. J'ai déposé une plainte à la police. Puis je me suis rendue au chantier. Et le garde de la sécurité m'a fait savoir que tu étais venue avec une personne. Je veux dire, c'est ta copine. Oui. Ma fiancée et moi avions décidé de venir te rendre visite. Je suis désolé. C'est la raison pour laquelle tu nous as manqué. Je suis traumatisée. Parlons de ma fiancée. Elle est à la cuisine en train de préparer quelque chose. Laisse-moi l'appeler. Berry ! Elle a déjà quitté la maison. Ça, c'est impossible. Elle a la cuisine en train de préparer. Donne-moi une minute. Bey! Il y a un visiteur. Ciao, bébé. Bey, ciao. Imagine qui est ici. Bey. Gata, où es-tu? J'ai dit, où es-tu? Je sais, tu connais pas la raison pour laquelle je t'appelle. J'ai dit, tu es où? N'essaye pas de me provoquer avant que je déverse ma colère sur toi. Tu es où? Ifan, je t'attends là-bas. Trop parler, c'est maladie d'hier. Trop parler, c'est pas bien, mon frère. Obi, viens. Patron. As-tu vu Berry? Berry? Oui. T'as vu Berry? Oui, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. Écoute-moi, Obi, je suis pas d'humeur à écouter toutes tes stupidités là. As-tu vu Berry ou non? Patron, c'est pas les amusements. Patron, je ne dis pas ça pour te faire plaisir parce que je sais que ça va pas te faire plaisir. La façon que Berry a couru pour sortir de cette concession, arrive où les gens peuvent se réunir pour pleurer pour elle. Mon ami, reste tranquille. Tu dis que tu as vu Berry sortir de cette concession? Patron, tu ne comprends pas ce que je te dis. Je ne dis pas qu'elle a laissé la concession. C'est en courant qu'elle est sortie. Elle est sortie, c'est mardi à part. Et moi, je me suis étonné. C'est d'accord. Va. Mais patron. Ça va comme ça? Merci patron. Officier, regardez ce qu'on a fait à ma soeur. Juste regardez ce qu'on a fait à ma soeur. Est-ce que tu nous crois maintenant? Vous voyez son cadavre. Elle est morte. Les policiers sont en train de prendre son corps pour la morgue.
pourquoi tu ne veux pas nous croire? Emmène-moi hors d'ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi, quel est le problème? Elle s'est introduite dans ma chambre d'hôtel à Abuja. Je m'apprêtais à aller dans la salle de bain. Oui, Berry, elle est venue avec le couteau. Je ne peux même pas t'expliquer comment j'ai fait pour sortir de là vivante. La partie la plus frustrante est qu'elle m'a chassée hors de la chambre, dans la rue. Oui, Berry. J'ai supplié les employés de l'hôtel à venir m'aider. Mais ils m'ont pris comme une folle. Ils n'ont rien fait pour m'aider, Berry. Cesse de raconter les bêtises. Dis-moi ce qui ne va pas. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. S'il te plaît. Conseiller en chef, tu as planifié et conseillé avec Berry de me tuer. Je suis désolée. C'est trop tard pour demander pardon. Allô, Lucy. Lucy, je peux pas t'écouter. Allô? Je peux pas. Si tu essaies seulement d'ouvrir la porte, Berry. Mais Berry, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quitté la maison sans toutefois me dire quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Gifle-le. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es étrange. Fais-le. Tu vas bien? Et maintenant? Ben, tu vas bien? Tout va bien? Tu es stupide ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui est venu dans ta tête? Encore! Encore! Tu essaies de te tuer? Tu es folle? Qu'est-ce qui est venu dans ta tête? Tu es malade? Tu sais quoi? Ne me pousse pas à faire quelque chose que je vais regretter. Quitte ma maison. Quitte ma maison, hein? Quitte ma maison avant que je ne te déchire en deux. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Cette nuit, là maintenant. Sors de chez moi. Folle, une folle femme comme ça. J'ai écouté des voix ici. Non, rien. Ne t'inquiète pas de ça. J'ai fini. J'ai fini de me rafraîchir. Merci de m'avoir donné la chambre des invités. Il n'y a pas de problème. Je vais te faire quelque chose là, lorsque j'amènerai tes bagages à l'intérieur. Tu veux dire que tu veux ramener mes bagages chez toi? Je pensais que ton plan était de laisser ça ouverte et d'aller chez ta fiancée. Et de toutes les façons, je doute si elle va m'héberger chez elle. J'ai changé d'avis. Tu vas rester ici.
Je ne comprends pas. Simple que ça. Tu vas rester ici chez moi, dans la chambre des visiteurs. J'espère qu'il n'y a pas un problème à ça. Non, pas du tout. Merci. Mais, qu'en est-il d'elle? Ne t'inquiète pas pour Barry. Ici, c'est ma maison. Et tu es mon invité. S'il te plaît, ne me fais pas du mal. S'il te plaît, ne me tue pas. Et c'est trop tard pour regretter. Qu'est-ce que tu veux exactement de moi? Comment oses-tu me parler de la sorte? Je suis désolée. Tais-toi. Tu veux savoir le pourquoi je suis après toi et ce que je veux? Tu m'as chassé loin de mon fiancé en me tuant. Et je suis sur le point de prendre ton gars maintenant. Je vais arracher ce qui t'appartient. Je ne suis pas comme toi. Et je ne suis pas une meurtrière. Je vais pas te tuer. Mais tu vas me voir comme j'arrache ton gars. Je vais me marier avec Bond. Quoi? En fait, j'ai même réussi à manipuler ton homme dans sa propre maison. Il va tomber profondément amoureux de moi et sans contrôle. Imagine-toi jusqu'au temps où je vais finir avec lui. Au moment où j'aurai fini avec toi, tu vas l'éviter et il va aussi t'éviter comme une peste. Tu t'entends parler? Tu es un fantôme, tais-toi. Bond est en vie. Je veux dire, comment un homme vivant peut marier une femme? Tais-toi! Je porte son enfant. S'il te plaît, pour une chance à cause de cet enfant, ne me tue pas. S'il te plaît, juste pardonne-moi. S'il te plaît, il est devant la porte. Qui? Ces choses sont à toi. Et je ne veux plus jamais te revoir ici dans cette maison. Tu as compris? Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. S'il te plaît, mon amour, ne me fais pas ça. Ne fais pas ça à notre bébé. S'il te plaît, ne me laisse pas. Barry, je ne suis pas un homme violent. Sinon, j'allais te bastonner correctement et bien où tu es là placé devant moi. Ne me touche pas. N'abuse pas de ma patience. Bébé, s'il te plaît. Et je ne veux plus jamais. S'il te plaît, Bond. 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 Oh!
Je peux vraiment pas te dire où tu as échoué. La souffrance dont tu subis en ce moment. Tu dois prendre soin de toi. Pour la bonne forme de ton mental. Ça s'est passé si vite. Je n'étais pas préparée pour ça. Je n'ai pas rêvé que ça devrait vraiment se passer. J'étais obligée de revenir et faire ce que je ne voulais pas faire. D'accord. Bon, de quoi parles-tu? D'accord. Bientôt, je serai seule. Pourquoi on s'arrête ici? Parce qu'on a Enugu maintenant. Je sais, mais ma maison est sur la rue prochaine, en bas là-bas, pas ici. Je sais, mais je ne bouge plus, descends. On s'est arrangé que tu vas me déposer à mon domicile. J'ai dit descends. Monsieur, soyez raisonnable. Comment voulez-vous me déposer ici? Comment je vais expliquer à mes voisins? S'il vous plaît, nous sommes plus loin. Partez me déposer à la maison. S'il te plaît, madame, tu veux continuer ce voyage nu? S'il te plaît, ouvre cette porte. Barry, fais vite. Barry! Pourquoi es-tu habillée comme ça? Tu vas bien? Qui te poursuit? Qu'est-ce qui ne va pas? Babe, pourquoi es-tu habillée comme ça? Qui court derrière toi? Y a-t-il quelqu'un là-bas? C'est quoi ça? Entrez. Je suis désolé parce que mon humeur t'a affecté. S'il te plaît, mange. J'ai juste perdu l'appétit, c'est tout. S'il te plaît, ne fais pas comme ça. S'il te plaît.
tu n'as pas à t'excuser. Je suis la seule à pouvoir m'excuser. Parce que je suis rentrée dans ta vie et gâché ta relation. Non. Ne fais pas ça. J'essaie d'amplifier mon humeur. Je crois. Tu peux rien faire. C'est pas de ta faute. C'est pas ta faute d'avoir une attaque ce jour. C'est pas ta faute d'avoir une attaque asthmatique dans la rue. Ce n'est non plus ta faute que je sois passé par là ce jour et te venir en aide. Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette femme folle vient dormir ici? Femme folle? S'il te plaît, la femme, tu ressembles à une femme normale, hein? Une femme normale ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui m'arrive?
Où suis-je? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui? Qui? Le patron n'est pas là. C'est moi, Chico. Ouvre le portail. Ok. Pas besoin, pas besoin. Tourne comme ça, tourne comme ça. Pourquoi? C'est par derrière que tu dois partir. Le patron n'est pas là. Le patron n'est pas là. Ah ah. C'est la voiture de bonne que je vois là-bas dedans. Tu vois? Tu vois? Ça, c'est pourquoi j'ai des problèmes avec les gens. C'est pourquoi j'ai des problèmes avec les gens. Voilà comment j'ai toujours des problèmes dans ce travail de sécurité. Partout où je pars. Et si je te dis que le patron n'est pas là, tu es en train de regarder à l'intérieur. C'est quoi ça? Hein? Moi, ça, c'est ton ami, c'est mon patron, c'est toi et moi. Mon ami, ouvre ce portail. C'est quoi ton problème? Patron, patron, calme-toi. Position, position. C'est même quoi? C'est même quoi ça? Ouvre ce portail. Tu connais la personne avec qui tu joues? Tu me connais plus encore? Tu es qui? L'ami de Bond. L'ami de Bond? Moi, je suis appelé de Bond. Bond? Je suis le chef de sécurité de Bond et l'assistant personnel. Yeah. Lucie, pourquoi as-tu laissé cette porte ouverte? Lucy, où est-elle à cette heure? Lucy, ah ah. Lucy n'est pas dans cette maison. Qu'est-ce qui se passe? Je peux voir Gaud et sa silhouette partout dans cette maison. Non, non, je ne peux pas rester dans cette maison. Qu'est-ce que c'est? Lucy, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolée, c'est rien. D'où sors-tu pieds nus? Berry, tu vas pas croire ce qui m'est arrivé. Je viens de me réveiller actuellement dans un dépotoir public. Qu'est-ce que tu as vu? Je me suis réveillée dans une pop funèbre. Étant dans un cercueil, je me suis réveillée comme une personne morte. Berry, elle est là. Berry, tu me disais que tu t'es réveillée. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Oui. Tout est de ta faute. De quoi parles-tu? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est de ta faute. Que c'est de ma faute. Tout ce qui m'arrive, hey, c'est à cause de toi. Et je m'en fais de venir te montrer une vidéo qui va si tu m'avais pas montré cette vidéo, j'allais même pas te dire ma réaction. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Arrêtez ça, arrêtez. Oui, c'est de ta faute. Que c'est de ma faute. Tout ce qui m'arrive.
J'arrive, monsieur. Qui est là? Qui est là? Je vois comme si vous n'êtes pas sérieux, tous ces petits enfants. Je ne sais pas pourquoi vous faites comme ça. Qui est là? Qui frappe au portail? C'est vrai que Jésus. Non, non, non. Non, 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 non. Comment ça va là-bas? Chique. Mais comment es-tu entré dans la maison? Non, 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 non. Juste regarde. Il ne va plus la voir encore, même s'il rentre chez lui, même pas dans ses rêves. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Obi? Lève-toi, Obi! Mais Obi, qu'est-ce qui ne va pas? Chike, où? Chike, t'as fait ça? Chike! 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 Ça se passe. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait chez Bonne? Chicken, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe?
Bonne. Elle t'a laissé sortir? Tu es vivant? Qu'est-ce que tu me dis comme ça? Pourquoi tu me dis tout ça, Chiki? La fille que j'ai vue chez toi est un fantôme. Tu es un malade mental. Détraqué, c'est ce que tu es. Pourquoi tu m'appelles un fou? Je te dis la vérité. La fille là, elle est morte. Gold n'est pas morte. Et je ne vais pas te permettre de parler d'une étrangère que tu ne connais pas. Je sais, c'est une étrangère quand je l'ai vue. Mais elle était allongée dans la malle arrière de la voiture. On l'a tuée. On l'a assassinée. Je sais ce que j'ai vu. Mais, qu'est-ce que tu es en train de raconter comme ça? Hein? Viens. Gold! Gold? Mais c'est comme si elle a déjà disparu. Je peux parler n'importe comment. Gold! Grand Ichaka, c'est l'un des problèmes qui restent qui nous ont fait venir ici, ma soeur et moi. Je sais pourquoi vous êtes là. Oui, c'est à propos du mariage. En effet, le rituel va se passer ici. Ça sera un grand rituel. Et vous ne pouvez pas quitter ce temple jusqu'à le rituel soit terminé avec succès. Sinon, son fantôme sera en colère. Elle va vous faire du mal. Vous êtes épargné parce que vous êtes ici. Maintenant, qu'est-ce que nous pourrions faire pour finir cette rituel? Allons droit au but. Commencez par enlever vos habits. La terre, le soleil, les étoiles, la lune. Mes filles, le travail est fini. Tu es complètement libre maintenant. Elle ne va plus te tourmenter. Maintenant, levez-vous, habillez-vous. Merci. Vous pouvez partir maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pas la cause de ton décès. Tu as allé voir Echaka pour
pour te faire le remède afin que Emeka puisse t'aimer et me détester. Maureen! Et Tchakata dit ce jour-là que je suis morte. Mais tu lui as laissé continuer avec ton mauvais plan. Tu es allé jusqu'à effacer tous les souvenirs de moi. Pourquoi? Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es l'une de mes meilleures copines proches de moi. Malgré tout ça, tu connaissais le jour que j'ai laissé Emeka. Toi et moi, on préparait mon mariage, Maureen. Pourquoi? Tu n'as même pas attendu. Tu n'as même pas appelé Nega, ma sœur ou ma maman pour les consoler. Et tu es là à jouir de ma voiture. Je suis désolée, s'il te plaît, ne me tue pas. Ta jalousie va te conduire à la mort. S'il te plaît. Bébé, je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Ce n'était pas mes intentions. Te faire du mal. S'il te plaît, cherche une place dans ton cœur pour me pardonner. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Elle est actuellement sincère. Elle est désolée. Et moi aussi, je suis désolée pour tout. S'il te plaît, calme-toi et pardonne-la. Mon miel, c'est moi, ta Berry. C'était pas moi qui faisais ça. C'était le fantôme de God. C'est ça qui m'a poussé à faire tout ça. Même la gifle et tout. C'était pas moi qui faisais tout ça. Mon amour, c'est moi, ta Berry. Ton bébé est toujours dans mon ventre. S'il te plaît, ne me chasse pas. Bébé? Oui. Tu es déjà habillé? Oui, mais je veux faire un tour au supermarché. Laisse-moi utiliser la toilette. C'est le jour du jugement.
Bébé, bébé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Barry! 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 Comment peux-tu espérer le secours de quelqu'un qui ne peut même pas me supporter? Marionnette. Qu'est-ce que tu veux, la justice? Tu sais quoi? Allez, vas-y, tue-moi. Juste tue-moi. Juste, fais-le maintenant. J'ai tué ceux qui devaient mourir avant. J'ai réservé les autres pour la fin. Tue-moi. Si tu me tues pas, je vais le faire moi-même. Barry, c'est impossible que tu te tues toi-même. Même si tu essayais de le faire maintenant ou pour éternité. Tu ne peux pas te faire du mal jusqu'à ce que je décide. Tu vas mourir lorsque tu diras aux gens comment tu m'as tué. Et je te promets, Barry, tu vas souffrir avant de mourir. Fais-le, je ne pourrai jamais le faire. Tu dois et tu dois le faire. Va te rendre à la police la plus proche. Et si tu ne le fais pas, Barry, je vais te torturer. Tu ne peux pas réfléchir quand tu n'es pas calme. Juste, relax. Comment peux-tu me demander de me calmer? Réellement? Chike, comment espères-tu que je dois être calme? Tu ne peux pas prendre une décision. Tu ne peux rien engager si tu n'es pas calme. Je ne peux pas être relaxé. Bon, allons à la police. Déposer une plainte. Ils vont chercher Barry. Ils vont la chercher. Elle ne peut pas juste disparaître comme ça. Elle ne peut pas s'égarer. Elle sera cherchée. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Relaxe tes nerfs. Tu te stresses beaucoup. Officier, il y a un progrès? Oui, monsieur Bond. On a trouvé Barry. Barry, où est-elle? Officier. Monsieur, viens avec elle ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pointes-tu l'arme, Pierre? Monsieur Bond. Barry ici. C'est elle qui a assassiné Madame Gould. Je comprends pas ce que vous dites. Ça, c'est la criminelle qui a tué Madame Gould. Non. Tout ça n'a pas de sens pour moi. Barry. Je suis désolée. Je comprends pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Quoi? Barry! Jésus-Christ. Bouge! Lève-toi et marche! Dépêche-toi! Marche! Un civil comme toi, bouge!
how you act, yeah. Cause your anger can turn things around, yeah. Slow down before you move. Cause when angry you can move in the wrong direction, yeah. Let's talk this over and hear what I have to say. Serve to you, I'm innocent of what you accuse me. Won't you give me a chance to show you how much I care about you, baby? No one is perfect, I don't need you to be. Cause I'm not even close. Let's go back to the way we used to be. Let go. Won't you give me a chance to express myself to you, baby? I am innocent. Oh, won't you give me a chance to remind you of the love we share? Don't you let go. Won't you give me a chance? I need a chance to talk to you. I need a chance to be with you. I need a chance to hold your head. Won't you give me a chance? I'm tired of this fighting. I need you back.